Le Palais Royal de Bruxelles a dévoilé une photo inédite du couple royal qui fête ce samedi 4 décembre leurs 22 ans de mariage. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde se sont unis civilement et devant Dieu le 4 décembre 1999. Ainsi, ce samedi 4 décembre, le couple qui règne sur la Belgique célèbre leurs 22 ans de mariage et fête donc leurs noces de bronze. Pour cette occasion, le Palais Royal de Bruxelles a partagé sur les réseaux sociaux une photo inédite du couple royal. On peut voir le roi et la reine enlacés les yeux dans les yeux. Un cliché tendre qui témoigne indéniablement de leur complicité. Le roi et la reine célèbrent leur 22e anniversaire de mariage aujourd'hui. Merci pour vos chaleureux messages, a écrit le Palais Royal. Un message traduit en néerlandais, en français et en allemand, les trois langues officielles du pays. Le roi Philippe avait présenté officiellement l'élu de son cœur au peuple belge en septembre 1999. Moins de deux mois après, une soirée de fiançailles avait été organisée avec 1500 invités et le 4 décembre 1999, ils se sont dit oui officiellement à la cathédrale Saint-Michel-Aigudule à Bruxelles. Leur union se concrétise le 25 octobre 2001 avec l'arrivée de leur premier enfant, la princesse Elisabeth de Belgique. Aujourd'hui, ils sont les parents de trois autres enfants, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore. Une robe déjà portée sur cette photo officielle, prise par le photographe Babo Gartz, la reine Mathilde porte une robe plissée avec des manches bouffantes et un motif fuchsia sur un fond rouge, qui n'est pas inconnu des Belges. Ce n'est pas la première fois que la reine porte cette tenue. Elle en était vêtue en juin 2021 lorsqu'elle a rencontré le secrétaire général de l'ONU au château de Laeken. Frédéric Andrieux, autour de couple anniversaire de mariage Gotha Famille Royale de Belgique à propos de